DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo. C'est une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains qui ont investi la tribune. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, tumkaribishe kwa makofi jamani. Welcome Your Excellency, the President of the Republic, the Democratic Republic of Congo. Welcome, sir. Les juges de la plus haute cour kényane installés à leur tour, le quorum est atteint. Et c'est à cet instant que tout le stade va se lever pour accueillir le nouveau premier citoyen du pays, William Samoa Ruto, accompagné de son épouse, la désormais première dame du Kenya, Rachel Ruto. Derrière lui, Uhuru Kenyatta, le président sortant, rejoint lui aussi le stade. Il passe les troupes d'honneur en revue avant de rejoindre la tribune pour retrouver ses homologues de parcours. Vint alors le moment M. Main gauche sur la Constitution, William Samoa Ruto répète le serment après la juge présidente. I, William Samoa Ruto, without fear, favor, affection, or ill will, so help me God, so help me God. Tumpongeze tena kwa makofi. Même exercice pour le nouveau vice-président Rigathi Gachagua. Principe constitutionnel oblige, Uhuru Kenyatta a officiellement remis les attributs du pouvoir à son successeur qui porte désormais les charges qui étaient siennes. Les premiers mots du nouveau président sont ceux d'un rassembleur qui, dans la foulée, va annoncer une série de réformes dans différents domaines. La démocratie kenyane a visiblement atteint une certaine maturité qui oriente les actions de ses dirigeants. Des vertus qui inspire les jeunes démocraties comme celle de la République démocratique du Congo qui tous les jours, ou presque, conjugue des efforts pour protéger les acquis de sa toute première alternance pacifique. Le cinquième président du Kenya après l'indépendance a quitté le stade en fin d'après-midi, direction le State House, pour une brève cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur. Construction et modernisation de la route Kananga-Kelambambouji, longue de 230 km. Cette cérémonie riche en couleurs et tant attendue vient apporter un ouf de soulagement aux multiples préoccupations des peuples kasséens désenclavés. Cette voie de sortie jusqu'à l'océan par le port de Lobito est un salut pour cet espace. Les personnalités officielles comme députés et sénateurs, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement qui s'est fait accompagner des quelques warriors ont apprécié à juste valeur ce geste posé par le chef de l'État. C'est un moment historique pour nous. Nous ne pouvons pas oublier cette période. L'importance de la route de Kalambambouji n'est plus à démontrer. C'est des combats de tout le temps en ce qui concerne les infrastructures routières. Donc nous devons rester tout simplement unis derrière notre gouverneur de province, Kabeyashi Kai, et le chef de l'État, son Excellence Alexandre Thompson. Devant une foule en liesse estimée à plus de 100 000 personnes, le sénateur Denis Kambay, ancien gouverneur du Kasaï central, qui s'est fait lui aussi accompagner les différentes structures, notamment la Sinagec, Fodeka et les amis de Denis Kambay, a soutenu cette vision du chef de l'État qui va apporter le développement de cet espace. On va faire le suivi. C'est pour cela que je suis venu par route et je vais rentrer par route parce que moi je ne me fie pas au discours. Je dois voir de mes propres yeux. Vraiment bonne chance à ce qui va se faire. Et là, le président de la République assure instruction du protocole d'État, procédé au lancement symbolique de la route. Rappelons que ces travaux s'exécuteront à partir de la commune rurale de Matamba, dans le territoire de Kazumba, par la firme israélite Toa, avec le marché gagné par Safrimex.
Dans 15 mois, cet imposant immeuble de 9 étages, un rez-de-chaussée et deux niveaux souterrains va pousser sur le site Tembena Tembe, entre l'immeuble Paul Panda Farnana, le musée national et le commissariat général de la police, juste à côté du palais du peuple. La cérémonie de la pose de la première pierre des constructions de l'immeuble de l'aviateur de la RDC a été organisée le lundi 12 septembre 2022 par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okendé. C'est la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba, qui a représenté le premier ministre chef du gouvernement. Les ministres du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, de l'Industrie Julien Paloukou et du Numérique Eberhard Kolongele ont aussi rehaussé de leur présence cette cérémonie. La construction de cet édifice va permettre à l'autorité de l'aviation civile de la RDC de cesser d'être locataire. D'où la joie du directeur général de l'AAC et de tous les agents et cadres des administrations des transports qui ont bravé le soleil accablant de ce jour pour participer à cette cérémonie solennelle de très haute portée pour le pays. Excellences, Monsieur le Ministre, l'histoire retiendra que c'est par votre dynamisme et votre bravoure personnelle que ce qui paraissait impossible hier est devenu une réalité aujourd'hui. Pour le ministre des Transports, c'est sous le haut patronage du chef de l'État que cette initiative est en train de prendre corps. Je tiens avant toute chose à tourner mon regard vers l'homme qui a fait et qui continue de faire confiance à notre gouvernement et en ma modeste personne, en me confiant la responsabilité d'apporter des solutions appropriées ainsi que des réponses concrètes et idoines aux besoins de la mobilité des personnes et des biens à travers toute l'étendue de ce vaste territoire national et au-delà de nos frontières, de manière à assurer le désenclavement de notre pays en vue de l'épanouissement économique et social des populations. J'ai cité...